En préambule, je voudrais vous dire la profonde émotion qui est la mienne et vous assurer aussi combien je prends ce soir la mesure de la responsabilité que vous devez me confier vis-à-vis de tous les Écharconnais et les Écharconnais. Je souhaitais d'abord tout remercier Robert Coquidé, notre doyen qui a déjà tant donné à cette ville et qui continuera tout au long de son mandat à agir pour les Écharconnais, en tout désintéressement et toujours avec la même passion. Merci Robert. Après que le village ait connu une compétition âpre pour connaître celui qui occupe maintenant ce fauteuil de maire, je vous propose de composer une équipe soudée, compétente et déterminée. On va essayer d'oublier toutes ces frictions des élections, si vous voulez bien, pour travailler ensemble. C'est un souhait. Je remercie celles et ceux qui ont contribué à ce que je porte l'écharpe de maire et les responsabilités qu'elle implique. Il est évident que j'ai besoin de vous pour faire ce travail. J'ai conscience de la responsabilité qui est la mienne. Nous avons 2 ans pour faire avancer les dossiers avant la nouvelle échéance électorale. J'ai décidé de me consacrer à cette tâche. Je vous demanderai dans cette même philosophie une présence réelle dans les délégations et obligations qui sont vôtres à partir de mercredi 11 et jeudi 12 avril, commission générale et conseil municipal, pour le choix des commissions et des délégations. Je forme ce soir le vœu d'un écharcon rassemblé et apaisé. J'ai eu beaucoup de peine à voir des gens dans le village qui se faisaient la tête et qui me faisaient la tête. Rien que dans le bureau de vote, on voyait qui votait pour nous, qui votait contre nous. C'est triste. J'ai un attachement sans faille pour ce village, où je suis arrivé maintenant il y a 27 ans, que j'aime, et que je servirai avec votre aide. Alors, mes chers collègues, je peux vous l'assurer, je sais que je garderai toute ma vie le souvenir de ce moment si fort où vous m'avez élu maire d'Écharcon. Je vous remercie. Avec un sourire quand même. Ah, Didi, Rictus, allez. Pensez aux Écharconnais, aux Écharconnaises qui attendent de vous. Merci.